bonjour, je suis contente de vous retrouver pour un petit haul de action. Il n'y a pas grand chose parce que déjà je voulais des coloriages pour regarder, pour en plus parce que je voulais voir s'il n'y avait pas des petits coloriages pour ma tante parce qu'elle aussi s'est mise au coloriage, donc il n'y en a pas. Par contre moi je me suis pris mes feutres, donc Bic, que je voulais là, les petits. Par contre parce que c'est pas les mêmes que chez Leclerc, je vais vous montrer au niveau des couleurs. Parce que la dernière fois j'y suis allée, ah bah si, je crois c'est les mêmes, c'est moi. Ah non, voilà, par rapport au vert, dans ce de Action il y a le vert que je recherche comme ceci, je sais pas si vous arrivez à voir, alors que là j'ai le vert foncé mais j'ai pas le même vert que l'autre. Et moi, c'est pour mes effets jardin et tout, verdure. Parce qu'il y a beaucoup de feuillage et tout ça. Et j'aime bien faire un effet un peu des trois couleurs, quoi. Jouer avec ces trois couleurs-là. Et en plus, ils sont en promo cette semaine. Donc, je m'en suis pris un paquet. Je n'ai pas besoin. Et par contre, je me suis trouvé d'autres feutres. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, du tout. Donc, je verrai quand je vais essayer ça. Donc, attendez, on va les ouvrir ensemble. Donc, mais alors, ils n'ont plus grand-chose. Je voulais des coloriages. Regardez les coloriages. Elle m'a dit non. Elle m'a dit on peut même pas commander. Donc, je sais pas. Alors, donc, on va ouvrir n'importe lequel. Donc, vous avez la pointe comme ça. Et la pointe comme ceci. Alors j'espère que ça va pas traverser mes albums parce que sinon, mais ce qui est bien les trucs à Action, c'est que leur page est assez épaisse, donc c'est bien, c'est comme un peu des fois type canson. Donc je me suis pris ça, donc, je verrai ça de toute façon, pire si jamais ça va pas, ça va lui plaire, donc c'est pas perdu. Oh, mais je sais pas, j'ai le nez qui me gratte là, enfin dessus là, c'est. Donc voilà, donc je me suis pris ça. Donc je vais vous dire les prix puisque j'ai préparé, hein, que j'ai mon truc. Donc les biques, les feutres comme ceci là, les 12, sont à 1,64€. Et la boîte comme ceci est à 4,99€. Et vous en avez 24. Donc c'est aqua plus light. Et vous avez des pastels. Là vous avez les pastels, les couleurs fluo, et là les couleurs basiques. Et après vous en avez d'autres boîtes différentes avec plusieurs couleurs. Mais bon, moi j'ai pris ça, j'ai pas cherché à prendre. Je vais voir ce que ça vaut. Donc voilà. Après, je me suis pris un petit chapeau. Voilà. Je me suis pris un petit chapeau pour cet été. J'ai envie d'un chapeau de paille. Bon, après, je ne sais pas si ça me va. J'ai même pas regardé. J'ai demandé à mon mari, mais mon mari... T'es belle avec ça, ma chérie. Mon mari n'est pas bon juge parce que pour lui, il ne va pas dire que je suis poche. Ouais. Donc, alors, je me suis pris un petit chapeau. T'es belle, ma chérie. T'es belle. Donc... T'es belle avec le mari. Mais t'es belle nature aussi, hein. T'inquiète pas, hein. Donc, alors, le chapeau était à 2,79€. Après, j'ai pris une tapette à mouche. Et celle-ci, télescopique, j'en avais déjà une. Et ah ouais. C'est pas mal. Tapette, c'est sympa que pour les mouches, je vous le dis, moi. Hein. Ouais. Il y en a 3-4 ici, des tapettes. Hein. Je vous dis. Franchement, la raquette qu'on a pris la dernière fois à Auchan, elle est géniale. Je vous la recommande. Franchement, vous frôlez à peine. Vous avez ça, les électrocutes, ça fait... Ah ouais, ouais, moi je peux confirmer, ça marche bien, ouais, sur les autres, les humains aussi. Ça marche bien. Je sais pas, j'ai pas essayé. Hein. Hein, tu m'as frappé déjà 2-3 fois. Avec... Oh, vas-y, allez, arrête tes bêtises. Tu me fais des bobos à chaque fois. Il dit à tout le monde que je lui fais du mal, alors que c'est même pas vrai. Donc 99 centimes là, taper ta bouche. Ah, toi, t'as fait clin d'œil, je sais bien que tu. J'ai pas fait de clin d'œil. Ouais, je te vois, ouais. Non,
n'importe quoi. Il a dit, même au médecin, il a dit au pharmacien, il a dit partout. Il se plaint à tout le monde. Je suis un battu, moi. Donc, j'ai repris cette sauce vinaigrette moutarde au nez. Franchement, elle est super bonne. Elle est moutardée comme il faut. Franchement, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Un petit peu. Franchement, c'est super. Donc, là, je l'ai vue, la vinaigrette. J'ai dit, je la prends. J'ai bien aimé. Alors, la vinaigrette est à 1,99€. Après, je me suis repris ça, parce que ça, c'est génial. Ça, je m'en lasse plus maintenant. C'est trop bien. J'ai du coton. Le coton sert pour les bobos. Voilà. Quand on a bobos. Ou pour mes... Enfin, même pas pour mes yeux, parce que ma fille, elle me met avec le mouchoir et tout quand je m'esponge. Donc, franchement, le coton, il sert plus à rien. J'en ai, ça fait... Oh, ça fait un bail. Je me sers que de ça. Que de ça. Là, là pour l'instant, cela, j'en ai repris un d'avance. Enfin, j'en ai. Oui, ça, l'autre paquet, je ne l'ai pas encore entamé. C'est que j'ai dit, vu qu'il n'y a plus les en forme de cœur, et c'est la même matière et tout, donc j'ai dit, j'en reprends un paquet au cas où il n'y en ait plus. Voilà. Par contre, ma fille, elle la préfère, c'est les petites lingettes là, vertes. Qu'il y a dans le sachet et tout, mais moi, enfin, pour elle, pour se démaquiller, c'est mieux. Mais moi, je préfère ça. Et franchement, c'est génial pour se laver la figure et tout. C'est moins abrasif que le gant de toilette. Les disques à démaquiller est à 1,19€. Donc voilà. Ça, c'est génial. Ça, je m'en passe plus. Je peux plus m'en passer. Après, mon mari, alors ça c'est à Jiffy, il a pris du WD40. Ça c'est bien ça. Donc après, pour ma fille, alors là j'ai pris pour ma fille, j'y ai pris. Donc je lui ai trouvé des paillettes, donc c'est pour body, donc pour le corps. Pour les cheveux et pour la face, des paillettes qu'elle pourra et là va pouvoir s'éclater. Donc il y a, vous avez rose, doré et gris, argenté quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je pense que elle va pouvoir prendre comme ça au doigt et appliquer comme ça, parce que là c'est pas. Après, donc, autre chose, je lui ai trouvé aussi ADD Glitter Mix. Ouais. Donc, il y a violet et bleu. Donc, je lui ai pris cela. Et là, je sais que de toute façon, ça va lui faire plaisir. Elle est contente. Et après, je lui ai pris encore doré et ça doit être aussi argenté. Mais ils ont l'air d'être mieux, ceux-là. Après, c'est ça appliqué, je pense, avec une colle spéciale. Mais ça, je sais qu'elle va se... Ça va lui plaire. Elle va être contente. De toute façon, il ne faut pas grand-chose pour être contente. Donc, voilà. Voilà les achats. Donc, les paillettes, donc comme ceci, les deux, c'est 99 centimes. Voilà. Et les autres, donc celui-ci est à 1,79€. Mais alors par contre, j'ai trouvé que en maquillage, si il y a une palette qu'ils ont sorti, mais bon, j'ai pas pris, de toute façon je me maquille pas beaucoup. C'est les mêmes couleurs. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de choix. D'habitude, il y a un peu plus de choix. Ouais, il y avait du baume à lèvres, à la pêche, abricot. Mais est-ce que ça a vraiment le goût? Je me suis tellement fait avoir que j'ose même plus en prendre. Donc, puis j'en ai. J'ai acheté un baume à lèvres l'autre fois à Kiko. Donc, ça, je vais m'en servir. Mais j'attends, là, je suis en train d'utiliser celui que j'ai de Action. J'en mets tous les jours, mais bon, à force. De toute façon, j'ai presque fini.
Et non, mais franchement, je sais pas, les rayons, ils étaient à moitié vides, il n'y avait rien. Je sais pas, on se serait on aurait dit que les rayons sont rétrécis, enfin, je sais pas. Alors, en plus, comme ils ont changé la disposition, je préférais comme c'était avant. C'était beaucoup plus clair, parce que maintenant, le shampoing, les shampoings sont rendus en face du coloriage, du coloriage. Alors qu'avant, c'était là où il y avait les papiers cadeaux et tout ça, c'était plus logique. Mais là, non. Maintenant, c'est en face du coloriage, le shampoing. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je n'ai même pas trouvé le truc d'épilation. Parce que je voulais prendre un truc que Action a sorti. Comme je prends l'huile de souchet, donc ma fille restera à l'huile de souchet, c'est pas bien grave. Si ça se trouve, elle supporterait même pas celui qu'il y a. Bon, bref. Et je voulais lui prendre aussi pour quand elle se fait ses queues de cheval. Ça a tendance à rebiquer ou à faire les bébés cheveux. Donc, du coup, pour bien lui plaquer. Et il n'y en avait pas. Donc, à moins que j'aille à Cavignac. Mais en ce moment, pour aller à Cavignac, c'est un peu, on va dire, un peu le bordel sur la route. C'est comme ils sont en travaux. Donc, et puis je ne sais même pas quand est-ce que c'est ça. Puis là, il fait lourd. Là, avec mon mari, on a été Action, parce que comme on devait y aller la dernière fois, mais il y avait du monde. Et puis, après, on a été faire un tour à Jiffy. Jiffy, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon mari me dit, vas-y, prends-toi quelque chose. Je ne veux pas prendre quelque chose pour prendre quelque chose. Non, il n'y avait rien d'intéressant. Je voulais une cuillère parisienne, il n'y avait pas. Mais ça, c'est pas grave, je trouverai... Il n'y avait pas, et puis quand il y avait, elle disait, ça, j'aimerais bien. Oh, puis non. Elle fait ça tout le long. Alors, à la fin, elle n'a rien récupéré. Non, parce qu'après, elle a besoin de trucs, dans la tête, oh, après, non. Je me suis dit, non, c'est... Je vais prendre pour prendre, c'est... Non, c'est la cuillère parisienne. Non, si tu en as besoin, il faut le prendre, c'est tout. Oui, mais la cuillère parisienne, il n'y avait pas. C'est pour creuser, parce que j'ai vu une recette. Moi, je ne parle pas de ça, moi, je parle de la recette parisienne. Mais sinon, je prendrais une cuillère normale. Je n'avais pas... Oui, autrefois, on n'avait pas... On avait la même cuillère qui servait à tout faire. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est donc, puis Bella, demain... pas demain. Oh là là. Samedi, on va aller faire les courses, les grandes courses. Et puis, mon fils a passé son oral, le grand oral. Ça y est, c'est fait. Donc, il est... Ah bon, j'ai une livraison de colis alors que je n'ai pas commandé, mais bon. Ça y est, mon fils a passé son grand oral, ça s'est bien passé. Donc en plus c'était le thème qui gérait le mieux. Donc voilà, donc il pense avoir réussi. Maintenant on attend les résultats. Donc les résultats, c'est à partir, je crois, du 7 juillet, je crois qu'il m'a dit. Donc on va attendre les résultats. Non, pas le 7, c'est le 8. Parce que le 7 on va voter. Donc c'est le 8. Donc voilà, les résultats et puis voilà. Donc voilà, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!